Bonjour, c'est Romtal et vous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors du coup les amis, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va tout simplement aller voir mon cher ami McFly qui aujourd'hui a une petite surprise pour moi. Donc je lui ai pas forcément beaucoup parlé par rapport à ça, il m'a dit que c'était un truc important. Mais moi je sais pas encore qu'est-ce que ça peut être. Donc déjà juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre aussi un petit pouce bleu. Le petit défi du jour, c'est qu'aujourd'hui tout le monde s'abonne à la chaîne avec son coude. Donc voilà, vous mettez un petit coup de coude sur le bouton s'abonner. Et si vous y arrivez, je vous ferai une dédicace dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes déjà abonné, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'activer la cloche et d'avoir mis aussi un pouce bleu. Donc voilà les amis, aussi j'ai une petite surprise pour tous ceux. C'est seulement pour ceux qui jouent à Fortnite, mais si vous jouez pas à Fortnite, c'est pas grave. Pour tous ceux qui jouent à Fortnite, les amis, j'ai une grosse surprise pour vous. Tout simplement, je viens d'avoir un code créateur. Donc n'hésitez pas à tous le rentrer. C'est twinner-wxr, twinner avec un seul N. Et en fait, je vous explique, tous ceux qui mettent ce code là dans la boutique, vous pourrez participer à un concours que je vais organiser dans pas très longtemps. Donc du coup le concours, il y aura plus de 1000€ à gagner, donc que ce soit en V-Buck ou en console ou même en autre chose. Donc voilà, donc le code c'est twinner-wxr, mettez-le tous dans la boutique. Et nous c'est parti, on va aller voir du coup McFly comment il va. Donc je vais aller toquer chez lui, tac, hop là, hop. J'arrive. Ah, salut McFly, ça va? Salut, et toi, ça va? Ouais, ça... Oula, je peux pas passer McFly, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là? Attends, regarde, hop, ah, là. Merci, ok, nickel. Voilà. Bon, du coup, tu faisais quoi, McFly, là? Parce que je vois qu'il y a pas trop de bruit et tout, c'est plutôt calme, ici. Ouais, tu faisais quoi? Bah, du coup, je rangeais un peu et je nettoyais, voilà. Ah, tu nettoyais la maison? Voilà. Ok. Bon, McFly, t'avais pas une surprise à me dire, toi, ou un truc comme ça, aujourd'hui? Tu m'as dit qu'il fallait que je vienne. Ouais, j'ai une surprise. Ah, vas-y, vas-y, tu m'en parles maintenant ou on en parle après? Après. Ok, bon, on va en parler après. Vas-y, tu veux que je t'aide à faire un truc là ou pas? Non, je viens de terminer, mais si tu veux, on peut aller sortir ou je sais pas. Ouais, bah vas-y, bah viens, on va sortir. On va sortir. Bah vas-y, bah mets tes choses. Bah t'as déjà ce chaussure, disons que t'es prêt. Bah, ok, bah vas-y, bah go y aller, on y va. Et puis bah voilà, bah c'est parti. Bon bah les amis, du coup, c'est parti. On va vers où du coup, mec? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Je sais pas, on peut aller à la plage ou faire un magasin. Bah moi je te propose que, ouais bah si tu veux on va faire un petit tour à la plage. Mais après il faut vraiment que tu me dises ce que tu veux me dire, ok? Ouais vas-y. Ok, bon du coup les amis c'est parti, on va en direction de la plage. Ce que je vais faire les amis c'est que je vais faire une coupure le temps que McFly me, j'attends en fait que McFly me dise un petit peu la surprise qu'il a à me dire. On se retrouve les amis, bah dès qu'on a fini de se baigner, donc moi je vous dis à tout de suite. Ok, bon les amis je crois que McFly est en train encore de se baigner, bon il va bientôt sortir à mon avis. Bon du coup dès qu'il sort les amis, oh non il commence à pleuvoir. Oh McFly viens sous l'arbre, tac, hop, ouais, on va sous l'arbre, voilà. Ok, bon McFly du coup, moi j'ai envie de savoir c'est quoi la surprise maintenant qu'on a fini de se baigner. Allez explique moi tout là, j'ai envie de savoir. Bah si tu veux, tu vois hier. Hier je me baladais comme ça dans la rue. Ouais. Et en gros je suis passé devant une maison. Ouais, elle m'a vraiment attiré, un truc de ouf. Genre une maison comment? T'inquiète, on verra ça après, mais en gros, elle m'a vraiment attiré, puis j'ai été sonné, j'ai demandé si elle était à vendre. Et elle était à vendre? Et elle était à vendre. Attends, me dis pas que t'as acheté une maison. Oui. T'as acheté une maison là? Ouais, mais... Et tu me le dis que maintenant, choqué. Pourquoi tu me l'avais pas dit avant? Mais c'est, j'ai un peu honte, non? Mais pourquoi t'as honte? Non, c'est tranquille en vrai. Bon, bah tu sais quoi, ça te dirait plutôt quoi? Ça te dirait qu'on fasse un truc? Ouais, je veux bien. Ça te dirait, bah est-ce que tout simplement ça te dirait qu'on aille voir ta nouvelle maison du coup, vu que t'as une nouvelle maison? Ouais, mais te fous pas trop de ma tête. Hein. Ah non, non, t'inquiète pas du tout. Bah tu sais quoi, on va là, on va vers ta maison. Bon, elle est vers où du coup? Du coup, elle est là-bas. Là-bas, ok, bon, bah les amis, c'est parti. On va aller à la maison. Bon, il pleut, on va arranger ça, vous inquiétez pas. On se retrouve du coup tout de suite devant la maison à McFly. Elle a combien de temps d'ici? 10 minutes à pied, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes, combien de temps? 10 minutes, un peu près. 10 minutes, ok. Bon, bah du coup, on se retrouve tout de suite. Ok, bon, on est arrivé vers l'endroit McFly. Là, tu m'as dit, on arrivait, mais du coup, maintenant, faut qu'on aille où? Du coup, regarde, viens, suis-moi. Ouais, bah je vais bien te suivre, en effet, ouais. Ok. Bon, par contre, là, on va vers un endroit bizarre, regarde, t'es sûr que c'est vers là-bas? Ouais, je sais. Parce que là-bas, il y a un truc violet, c'est un petit peu bizarre, hein. Ça me fait un petit peu peur, ton truc, là, donc je sais pas si tu veux qu'on aille là-dedans. En fait, ah, mais tu veux vraiment qu'on y aille? Tu vois, elle. Ouais. Ah ben, je l'ai acheté à elle. Ah, t'as acheté quoi à elle? Regarde, tout ça, là. Ouais. Quoi? Attends, t'as acheté le village, là? Ouais. What the fuck? Mais mec, mais t'es un taré. Pourquoi t'as acheté le village? Il est bizarre, ouais, un peu, non? Quoi?
Ah, ça m'a tapé à l'œil. Ouais, bah là, c'est sûr que ça t'a tapé à l'œil. Regarde les couleurs qu'il y a. Mais attends, mais comment c'est que ce soit vieux? Comment ça se fait que l'herbe soit violette? C'est quelqu'un qui l'a peint ou c'est toi? C'est normal, c'est naturel? Non, c'est une défaillance naturelle. Ah, d'accord. Ah, bah ok. Bon, bah ok, bah franchement, c'est cool. Et du coup, t'as acheté quelle maison, tu m'as dit? Bah, tout le village. Attends, pour de vrai, t'as vraiment acheté tout le village? Mais oui. Mais il est un. Attends, et tu vas vivre où? Bah, dans le village. Non, mais attends, c'est une blague là. Tu vas vivre où? Dans quel village? Bah, dans ce village-ci. Non, mais tu vas vivre dans quelle maison par exemple? Dis-moi. Bah, c'est bon. Celle-là, ouais. Là ouais. Mais c'est tout petit, pourquoi t'habites pas? Pourquoi tu restes pas dans la maison où t'étais? Elle était géante. Ouais, mais là, c'est plus une maison, c'est un village. Ok, ouais, non, mais ok, c'est un village, mais pourquoi tu. Et du coup, tu vas faire quoi de l'autre maison? Tu vas en faire quoi? Ouais, je sais pas, tu la veux? Ouais, je la veux. Attends, je te donne les clés. Wesh, les gars, McFly, il va me donner sa géante maison. Vous savez, la maison blanche là, qui est au fond, qui est vraiment gigantesque. Vas-y, je veux bien les clés. Attends, je les cherche parce que. Mais du coup, si tu restes ici, on se verra plus. Mais si, t'inquiète, je passerai une fois par mois. T'inquiète. Une fois par. Ah ouais, mais c'est pas beaucoup. Tu veux pas venir plus souvent? Ouais, mais alors tu viens me chercher. Ouais, mais c'est loin, tu sais que tu m'as dit qu'on allait marcher 15 minutes, mais là ça fait une heure qu'on marche, hein. Moi je marche pas pendant Ok. Tiens. Merci, ça c'est les clés. C'est les clés de chez toi du coup? Ouais, et ça c'est le garage. Ok, y a des trucs dans le garage là? Est-ce qu'il y a des voitures dans le garage? Des Ferrari. Oh, bah disons que les amis, là y'a McFly qui m'appelle. Ok, bon, tu sais quoi McFly, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite... On va faire la petite visite de ton village. Et bah tu vas me présenter un petit peu chaque maison et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses que tu vas mettre dedans quoi, ok? Ouais. Alors on va commencer par celui-là. Du coup non, on est ici. Ouais. Ouais ouais, lui là. Allez, c'est parti. Ok, donc du coup ça c'est quoi ça? Explique-moi. C'est un lit. Ouais bah merci. Merci. Ok, bon merci. Ok. On va passer à la deuxième porte. Alors on va passer pendant à la maison qui est ici. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est encore un lit, voilà. Ok, bon, ça c'est un peu nul. Ok, bon, les amis, juste avant qu'on continue la vidéo, comme d'habitude, je voulais vous dire, j'organise un grand concours pour tous ceux qui veulent participer. Il faut mettre mon code créateur dans la boutique, je vous le redis parce que je sais qu'il y en a qui vont oublier entre temps. Donc pour participer tout simplement au gros concours, bah notez bien le code créateur, mettez-le sur un papier ou juste sur n'importe quoi. Le code créateur c'est twinner-wxr, voilà. On continue la vidéo juste après, mais voilà, mettez tous le code créateur pour ceux qui ont Fortnite et qui veulent me soutenir. Et aussi participer au concours pour gagner 1000€ de V-Buck, voilà, il faut mettre twinner-wxr comme code. Ok, vas-y, on reprend la vidéo, McFly, pardon. Excuse-moi. Du coup, on en a été où? Ici. Ah, du coup, on en a cette maison. Alors, dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Un lit. Eh ben, vas-y, tu sais quoi, on va passer à une maison un peu cool, ok? Vas-y, on va passer à une grande maison. Celle-là, elle est grande? Ouais. Du coup, ici, il y a quoi? Ah, il y a un lit. Ok. Voilà. Super. Ah, du coup, celle-là. Là, ça change. Ah, là, ça change, on va voir qu'est-ce qu'il y a là. Voilà. Ouh, ok, donc là c'est le truc pour faire les gâteaux, je crois, c'est le four. Ok, bon bah sympa, ouais. Sympathique, ok, bah tu sais quoi McFly, moi je pense que je vais y aller. Et je vais te laisser là, moi je vais aller en lama, allez, j'y vais, à plus McFly, hein, moi j'y vais. Ok. Allez, ciao. Ok, bon, du coup les amis, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre qu'ils partent. Et je vais mettre en invisible, on va exploser le village à McFly. Donc j'espère que ça va pas trop énerver. Donc du coup c'est parti, hop, potion d'invisibilité. Hop, on va boire ça en cachette, tac. Est-ce qu'il me voit pas là? Non, il me voit pas. Ok, c'est parti, on va casser le village du coup. Tac, on va enlever le plastron. Ok, bon, là les amis, on est plutôt clean. On va ranger ça, bien évidemment. Faut bien qu'on regarde ça sur nous. Alors, du coup, on va prendre des TNT. Hop, voilà. On va prendre un briquet. Donc, tac, briquet. Voilà. Ok, bon, du coup, les amis, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à l'attaque. Donc, on va exploser déjà un truc tranquillou. Voilà, hop. On va exploser juste là, comme ça, pour voir s'il n'y entend pas. Je sais pas s'il a entendu, on va le regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire les gars? Alors attention les amis, quelle va être sa réaction? Wesh, il est en train de pleurer ou quoi? Attendez les amis, on va exploser ça. Ok. Les amis, je pense qu'il va s'énerver là. Là les amis, je pense qu'il va s'énerver. Ce qu'il va dire, mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très peu spécial. Ok, bon, là les amis,
comme vous avez vu, on a commencé un petit peu à casser la base. Bon, je pense qu'on va rester tranquille, on va pas en casser plus que ça, parce qu'après sinon ça va un petit peu trop casser. Ouais, on va juste poser une dernière TNT, on va la poser sur la tour là, la tour où il va habiter. Hop, oh. Voilà, on va en poser quelques-unes. Oh. Oh non, 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 non. Ah oui, il est mort ou quoi là? Ok, bon, là les amis, je pense qu'on peut dire que sa base est pétée. Ok, bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre aussi un petit pouce bleu sous cette vidéo, je compte sur vous. N'oubliez pas, les amis, mon code créateur et de vous abonner à la chaîne avec le coude cette fois-ci aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Restez bien abonnés et à la prochaine. Allez, ciao, ciao!